est un peu le thème, c'est la difficulté d'établir des relations amoureuses. Sujet sur le papier, leurs histoires, leur bonheur fragile. Voici ma sœur, Antigone. Elle aurait pu épouser Hémon, mais notre famille était maudite. Elle va vers sa mort. Mon père était un riche propriétaire. Il est généreux quand il est sous. Moi, c'est notre chauffeur Mati que je voulais commander. Mais je n'ai pas eu l'éducation qu'il fallait. Je me sens seule. Je suis mariée avec lui. Pour ce qui est de s'occuper de la terre, ça, il sait. Mais s'occuper de moi, c'est autre chose. Ah, Yarma, ce n'est pas l'homme dont tu rêvais. Il n'a pas pu me faire d'enfant. J'en souffre. Lui, c'était mon amant, il y a fort longtemps. Et je suis tombée enceinte. Procès, recherche de paternité, j'ai dû m'enfuir. Je me suis retrouvée dans un bordel. Mon premier mari, un milliardaire, en a sorti. Et maintenant, je suis riche. Je peux tout m'offrir. Même la justice. 100 millions de dollars pour le tuer. Parlez-vous et fichez-moi la paix. À eux de raconter leurs amours, leurs souffrances, leurs désirs. Mais voilà Ismène et Antigone. Ismène, sœur, branche jumelle issue de la souche, je dis. Existe-t-il, dis-moi, égarement, tâche attristante, ignominie, que le Père de la Terre ne nous ait encore infligée, à nous jusqu'à présent vivantes. Dans une guerre longue, un parmi d'innombrables, Éthiopes, notre frère est tombé. À suivre le tyran, il est mort jeune. Et plus jeune encore, Polynice voit son frère piétiné par les chevaux et pleurant, il déserte en plein combat. Déjà, dans sa course précipitée, le fugitif voit derrière lui les ruisseaux de Dircée. Il reprend haleine et voit Thèbes devant lui. Thèbes aux sept portes. Alors Créon, tout recouvert du sang du frère,
Créon qui de l'arrière, à coups de fouet les envoie tous à la bataille, le saisit et le met en pièces.